Alors, est-ce que vous voyez... Ah, c'est... Là, c'est bon. Ah, bah, c'est nickel, c'est nickel. Eh ben... Oui, Drist, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, Drist, si t'es sage... Si tu es sage, je veux bien faire comme dernier jeu, Earthbound, en français. Sur ce live. Oui. Je savais ça. Je le savais, mon petit Drist. Oui, donc voilà. Hamelin no Violin Hickey, ou le violoniste d'Hamelin, est un super jeu que j'ai fait en let's play. Donc n'hésitez surtout pas à venir voir le let's play que j'ai fait sur ce jeu. Assez court, mais vraiment très très bon. Vraiment une perle cachée de la Super NES. Comme beaucoup de jeux. Faut dire, la Super NES a tellement un catalogue de ouf godin. Exactement. Et bordel, j'ai vraiment passé un très bon moment sur ce jeu. Vraiment. Limite, le refaire en live avec vous, ce serait génial. Vraiment, j'ai passé un excellent moment sur ce jeu. C'est... Comment vous dire ça? Ah, c'est clairement pas comme le ressenti que j'ai sur Crisis Core, vous voyez. Mais... J'ai quand même passé un excellent moment sur ce jeu. Vraiment, vraiment... énorme. C'est le genre de jeu, tu vois, qui est vraiment court, hein, dans sa longueur. Mais disons que, bordel, c'est ce genre de jeu qui est vraiment court, mais intense. Mais tellement intense qui te... Paf! Voilà. Qui te fait dire que, waouh, c'est une perle, ce jeu. Non, mais vraiment, ça te dit ça. Mais alors, de reste, on verra s'il me plaît. On verra s'il me plaît. S'il me plaît ou pas. On va faire ce petit jeu. On va faire ce petit jeu en direct play live et après on va voir pour Earthbound. Ah ouais, Zach. Putain. Bon, faut savoir que, bon, bien entendu, le jeu est originairement japonais, hein. Donc ici, inutile de vous dire que c'est un patch français. Et c'est tout récent, hein. Ça date même pas d'il y a un an, le patch. Mon dieu, Fabien, faudra me passer ça. Que désirez-vous? Rien, je suis bien comme ça. Ah oui. Nous sommes... Enfin, notre copine et notre souffre-douleur, hein. Autant vous le dire. Voilà. Regardez ça. Regardez-moi ça. C'est un jeu qui aurait dû être banni. C'est un peu sexiste tout ça, hein. Ah, putain. Les musiques de ce jeu, bordel. Elles sont tellement énormes. Je vais en profiter d'ailleurs, si vous entendez bien le son du jeu. Beaucoup de parties. Voilà. C'est dingue. Alors, dans ce jeu, vous pouvez vous transformer en tout ça, hein. C'est ça qui est vraiment excellent. Mais, bah, transforme-toi, bordel. Voilà. Ah, bordel. Non, MDR, mais non, pas du tout. J'adore tellement la gueule qu'elle a quand on la transporte ainsi. Et pourquoi tu l'as pas détruit, espèce de cruche? Elle recommence comme dans mon esprit, bordel. Mais non! Mais non! Quoi non? Mais vraiment, ce jeu, c'est... C'est à moi une perle. Une perle de la Super NES. Je vous dis pas comment, les gars. Plus, Itachi pourra vous le dire, mais les OST de ce jeu... Oh là là. Beaucoup de parties. Voilà. C'est dingue. Alors, dans ce jeu, vous pouvez vous transformer en tout ça, hein. C'est ça qui est vraiment excellent. Mais, bah, transforme-toi, bordel.
Voilà. Ah bordel. Non, MDR, mais non, pas du tout. J'adore tellement la gueule qu'elle a quand on la transporte ainsi. Et pourquoi tu l'as pas détruit, espèce de cruche? Elle recommence comme dans mon esprit, bordel. Mais non! Mais non! Quoi non? Mais vraiment, ce jeu, c'est à moi une perle. Une perle de la Super NES. Je vous dis pas comment, les gars. Plus, Itachi pourra vous le dire, mais les OST de ce jeu. Oh là 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 là. C'est génial. Surtout que chaque boss a son OST. Il n'y a pas de boss thème précis. Hein. Tous les boss ont un thème. Et c'est génial. C'est vraiment repris des compositions des plus grands compositeurs hein, de l'histoire, donc. Surtout que les musiques, elles sont. La musique de boss, quand tu vois le titre sur YouTube, ça c'est Mouvement 1, Mouvement 2, Mouvement 3 pour boss 1, boss 2, boss 3. Mais voilà quoi, c'est. Génial, génial ce jeu. Oh, par contre, j'ai pas eu vos commentaires, attendez, je vous lis. Excusez-moi. Attendez, Ah oui, t'as tellement de transformations, faut faire attention. Hein. La fille, les transformations, des fois. Ah, mais non! Mais non! Eh oh! Ah! Elle recommence. Ça y est! Ça y est! Elle recommence! Ces merdes-là qu'elle me fait. Elle est de retour! Mais pourquoi elle. Change pas de vie! Bordel! Ah! Bon, on va essayer de gérer cette fin de niveau. Oh putain! Bah, je sais pas parce que tu vois, elle était en autruche. Et en autruche, normalement, tu traverses les pics, mais elle s'est traversée une fois, elle a eu mal. C'est ça que je pige pas trop. Normalement, elle devrait être immunisée. Elle va être immunisée. Ouais, sur YouTube, donc c'est un autre support de streaming, donc ça devrait mieux aller. Oh mon Dieu, elle se reconvertit en Xemnas. Donc voilà, si jamais, les gars, vous pouvez, avec votre piaf ici, appeler la fille. Donc avec une simple pression du bouton X, vous l'appelez, ou vous pouvez la laisser sur place, c'est utile pour les énigmes. Alors, connement au début du jeu, j'étais coincé ici, hein. Mais disons que la fille, c'est une arme nucléaire, parce que, paf, voilà. Ah merde. Comment est-ce que je pouvais savoir que la fille cassait des murs? Voilà. Et au début du jeu, j'étais coincé comme ça. Honnêtement. Oula, 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 oula. Ouh, ça veut rien dire, tout ça. Oh merde. Ah bah voilà, il fallait bien que ça arrive à un moment. BCDEF, GHIJKL. Allez, on prend le boulet. Le boulet est avec nous aussi, mais bon, ça c'est autre chose. J'ai un compte de vie hein, pourtant, les gars. Oh, j'ai rien du tout. Pour les filles, mais elle, je te jure, c'est un truc pas possible. Hey, viens là, paf! Mais non, heure, s'il te plaît, non! Oh, je suis désolé! Je suis désolé! Alors, si tu maintiens enfoncé, ça fait toujours solfège, là. Il faut savoir que dans ce jeu, t'as des commandes spéciales. T'as. Pour envoyer la fille de part et d'autre, tout ça. T'as des quarts de cercle limite, enfin. Je saurais pas comment faire ça. Tu vois ça, hein? Tu vois les commandes dans les endings du jeu, mais je sais que ça veut rien dire. C'est des commandes à Street Fighter, des conneries comme ça. C'est chaud. Mon Dieu. Driste, première porte à droite, s'il vous plaît. Vous sortez.
Par contre, là, pour récupérer la pièce, ça va être chaud. Voyons. Sauf si j'ai une transformation, mais... Alors, tu vas rester bien gentiment là, hein, parce qu'elle est capable de venir et de se prendre des pics. Bordel. Cacher pour confirmer ça. Par contre, je dois plus toucher d'ennemis, là. Par contre, là, waouh. Crapaud. C'est génial, ça. Merci. Merci, Earth. Ah, merci, Itachi. C'est gentil, ça. C'est gentil. Donc, abonnez-vous, likez, partagez. Oh, mon Dieu. N'importe quoi. Oula. Oh, wow, 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 wow. Et oh, wow. Attends, attends. Comment je fais? Ah, mais... Le pire, c'est que si je lui demande de me suivre, bah forcément, elle va me suivre, hein, ça me paraît logique. Mais qui est des pics ou pas, elle s'en bat les couilles, hein, elle va me suivre, point la ligne. Attends. Viens, suis-moi. Et on attend. Voilà, merci. Allez, viens la cocotte. Oh mon Dieu, elle a le mot interdit. Bannissez-la. Ah, les modérateurs, qu'est-ce que vous faites? Ah. D'ailleurs, juste pour savoir, comment est-ce qu'on met quelqu'un dans modérateur en fait sur Twitch? J'ai jamais compris. Ouais. J'aurais pas fait beaucoup, mais bon, tant pis. C'est pas grave. Ah, cette OST, bordel. Génial. J'adore. J'adore. Tout simplement. Attendez, je vais juste tester un truc. Hop. Je vais peut-être cliquer sur le pseudo de quelqu'un. Hop. Ignorer, timeout. Je teste sur Drist, hein. Si jamais il est banni, bah on sait pourquoi. Non, je rigole, bien sûr. Whisper, ouais, non. Tant pis. Alors, tu vois, je vais tester sur ton pseudo, Wayne. Attends, non, je vais tester sur quelqu'un d'autre. Fabien, voilà, s'il est banni du live, on sait pourquoi. Non. Alors, j'ai ignore, bon, ignore censé, timeout, ban. Et j'ai OP Usher, c'est ça? OP Usher. Fabien, il sera OP, il sera overpower. Oui, oui. Ah ouais, ouais. Putain, c'est vrai, j'ai un timer. J'ai totalement oublié pour ce jeu. Ah si, si, j'ai... Attends, ouais, mais j'ai peur de tester un mauvais truc sur vous. Sur vous, voyez. Alors j'ai Whisper. Bon, follow ou non, ça me paraît logique. Et j'ai OP. J'ai une sorte d'éclair, tu vois. Mais là, par contre, vous voyez, j'ai peur de faire une connerie. D'accord, bon, Fabien. Attends, je clique sur... Ah, ouais. Bah écoutez, je vais mettre deux modos. Ce sera plus que suffisant. Voilà. Donc, deux modérateurs ici. Voilà, voilà. Bah merci, hein. Merci, Wayne. Bah pour le coup, attends. Wayne. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Parce que c'est vrai que je me... Eh oh! Tu me suis, hein, madame? Putain, j'ai déjà perdu du temps à cause d'elle. Le tonnerre de... Quoi? J'ai dit ça? Putain, c'était n'importe quoi, ça.
Mais non, madame. Ah. Putain, on se croit dans un side scroller là. Mon dieu. Ah, j'adore cette phase, mine de rien. Plus la musique est tellement relaxante, je sais pas vous, mais j'adore. On va essayer de récupérer la petite note. Non, Toshi, t'es pas là pour ban. Enfin, théoriquement, oui. Modérateur, c'est un peu pour ça, hein, pour nettoyer un peu le chat, mais bon. Avec vous, j'ai confiance, hein, bien entendu. Bon, il y a Wayne, mais... Ah, quoi, quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Non, non, chut, j'ai rien dit du tout, monsieur. Mais il a pas voulu m'aider dans Shin Megami Tensei 2, vous voyez, donc du coup, c'est normal. Tout est relatif dans ce monde. Ah si, elle me sert, mais t'inquiète, dans les donjons, des fois tu dois la laisser de place, tu vois, enfin tu dois la laisser immobile. Mais des fois elle va te faire perdre du temps, mon gars. Mais Fabien, pour mieux comprendre, va voir le SP que j'ai fait. Tu vas voir, des fois, c'est à te tirer les cheveux, hein, la fille. Elle te fait perdre, elle te fait faire des game over, mais t'imagines pas combien. Oh. Le sens du détail, vous voyez. Putain. Regardez l'eau. Elle bouge. C'est génial, quoi. Ah oui, putain. Bah, bannissez pas les gens, s'il vous plaît. Je vous ai donné le pouvoir d'Excalibur, c'est... C'est pas pour le tester sur des gens qu'il faut pas, hein. Bordel de merde. Excalibur, c'est fait pour être manié. Pas manié n'importe comment. C'est comme une épée légendaire, bordel de merde. Est-ce que je vais avoir, vous, des fruits? Oui. Madame, madame, j'ai des fruits. Moi, j'ai une grosse banane, si tu veux. Mais bon, je pense pas qu'on va le montrer en live. Ah, mince. Mince Terminator. Dans l'ombre de la justice. Tu lui parles de la justice, non? Oh. Laisse profiter de la musique. Y'a rien à dire. Tellement un skin délirant cette forme. Ah, par contre, voilà. Alors, c'est une musique connue, hein. Je sais plus comment elle s'appelle, mais je sais que c'est pas une... Je sais que c'est une reprise, quoi. Enfin, comme j'ai dit, c'est des reprises d'artistes célèbres, tout ça. Et il y a un anime, hein. Il y a un anime, hein, sur Amélie Novioliniki, hein. Faut voir, hein, les gars. J'ai fait découvrir le premier épisode à Itachi, il a bien aimé, hein. Il y a même une musique qu'Itachi a pas mal aimé dans le Let's Play, c'est la musique du troisième boss, il me semble. Si je dis pas de conneries. Itachi l'avait beaucoup aimé, vraiment. Je suis vraiment content de faire découvrir ce jeu, quoi. Par contre, cette chose-là, c'est dur. C'est vraiment des ennemis, c'est juste pour... putain de merde. C'est vraiment les ennemis les plus casse-couilles du jeu, ça. Ouais, bravo, ouais. Ah, j'avais manqué une étoile, c'est génial, ça. Ah, bon sang. Boudil. Ah, le château. Quelle étrange sensation. Faisons bien attention. Devons-nous vraiment aller là-bas? Bien sûr. Je compte sur toi. Nous allons y arriver. Courage. Ce gars est un héros. Elle tombe déjà amoureuse, hein. Pour rien. Quand je dis qu'elle avait besoin de bananes, c'est pas pour rien. Quoi, qu'est-ce que je disais?
Alors, forcément, les châteaux, tout ça, les cavernes, c'est le début des énigmes, hein, vous vous douterez bien, j'imagine. Ouais, ça fait du jeu, mais on s'en fout un peu. Alors, le costume du robot, vous allez voir. À quoi il sert dans un instant. Alors, on est dessus, et on fait fonctionner l'automate en sautant dessus. Paf, voilà. C'est tellement de délire dans ce jeu, mine de rien. Et vous avez rien vu, vous avez rien vu, mais venez voir le let's play que j'ai fait sur le jeu. C'est tellement marrant. C'est tellement con dans cette délire, ce jeu, c'est. Génial. Moi, je te dis, c'est génial ce jeu. Merci d'avoir fait une traduction FR parce que là. C'est énorme. Ouais, n'est-ce pas? Caché. N'est-ce pas? Oula. Puis t'as un minimum de contrôle, hein, j'ai envie de dire. Mais après, c'est très minimum, hein, c'est très juste. Oula, par contre, là, qu'est-ce que je vais faire? J'en sais rien du tout. Ouais, ça va, ça va. Passe. Non, pas de soucis, Terminator. Pas de soucis, y a aucun souci par rapport à ça. Passe une bonne soirée de ton côté, en tout cas. Ah, mais ça me fait chier pour toi, surtout, tu vois, l'ami. Faut que je tape. Ouais, voilà. Oula. On lance encore la fille, hein? Non, mais j'adore tellement quand tu lances la fille. Oui, la guerre! Petite énigme toute simple, mais vraiment sympa. Fais attention au feu parce que, bon, je vais vous révéler une chose, c'est que le feu ça brûle, n'est-ce pas? Alors, attention. Ouais, oula. Ouais. My Terminator et Texas, pas, y a pas de soucis. Ouais. Je vais essayer de la prendre avec moi, je sais pas qu'est-ce que ça va faire. Ouais, bon, tu viens. Qu'est-ce que je dois faire? Attendez, je me remets bien. Et on s'y relance. Hop. Bam. Tu vas rester ici, ma grande. Ok, c'est pour le mécanisme de dessus. D'accord. Ouais, mais du coup, je suis un peu baisé, là. Je suis un. Attends, tu sais passer? Ouais. Wow, mais nickel. Nickel, en fait. Mais non, Terminator, il n'y a aucun souci, vraiment. Il n'y a aucun souci. Vaut mieux vraiment, dans ces cas-là, procéder ainsi parce que, bon, tu vois, c'est pour te battre dans contre Twitch. Toute la soirée, ça sert à rien. Tu vas te gâcher la soirée, l'ami. Tu vas te gâcher la soirée avec ça. Super robot punch! Alors la flèche qui nous dit, attention, il y a un coffre! N'est-ce pas? Alors, on va la transformer en crapaud, crapi-crapaud. Hop, voilà. Donc j'ai eu ma clé normalement, si je dis pas de conneries. Ah non, elle est là. Elle est là, la petite clé. Bon, j'aimerais bien. J'ai pas de truc pour me soigner ni rien. Ouais, normalement ça devrait aller. C'est vrai que je me relève d'un coup, que j'ai le game over et je recommence tout. Ouais, mais putain, il me reste plus de temps! Et vite! Oh putain, j'ai plus rien comme temps! Et vite, vite, vite! Dépêche-toi! What the fuck? Allez, voilà! Oh là là! Au poil de cul, hein! Au poil de cul, là! Ah non! Le donjon.
Donc si, oula, si vous voulez que je vous fasse une estimation de quand est-ce qu'on va arrêter le jeu, bon, on va juste faire le premier monde, voilà. Oula, par contre là, pour descendre, attends. Ouais. Vas rester là, bien sagement. Viens, 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 viens. Ah mais il est super sympa. T'inquiète. Ça c'est sûr qu'il est super sympa ce jeu. Tiens, cause de Fab, mais t'es méchant. Quoi? Ok, j'ai rien compris, mais bon. Ah bah oui, oh, forcément, forcément. Hop. On tape le boulet contre le boulet, n'est-ce pas? Non mais oh, Itachi, calme-toi. Mais il est pas censé mourir en deux coups, lui? Bon, ok. Viens ma grande, j'ai besoin de toi absolument. Méchant Fab, oh mon dieu. Ça y est, la guerre est lancée contre Fabien. Ça y est. Et le pire dans ce jeu, c'est que parfois t'as des phases où t'es tout seul. Je déconne pas. J'ai un très mauvais souvenir de cette phase d'ailleurs. Ah mais c'est un truc pas possible, je vous jure. Viens là, voilà, merci. Ah, BCDEF. Oula, oula, oula. Je vais attendre que tu pars, toi. Voilà, par contre, il y a le feu ici. Ah! Voilà. Oh mon dieu, des cerises. Pauvre Fabien. Oh là là, il a tellement rien fait, le pauvre. Mais Fabien, viens dans ma cité, bordel. Il n'y a pas de black. C'est bien. Il n'y aura pas de Itachi. Avec des couacouettes. Avec des couacouettes black. Bon, je vais accélérer parce qu'avec elle, c'est tellement long. C'est bien, on sait. Ouais, bien, parfait. Du premier coup. La clé-clé. Je vais pas descendre. Je vais d'abord aller en haut. Tu restes à ta place, toi, s'il te plaît. Oh mon Dieu. Ah, t'aimerais pas qu'elle décide de te kidnapper, hein? Oh. Non, Putain, ça fait tellement malsain ça. Alors, bonus stage. Et vous voyez que c'est tellement sympa. Alors ça, c'est quand vous récupérez toutes les étoiles. Ouais, mais attends-moi, putain! Bordel! Mais non! Mais connasse! Attends, tu vas te transformer en crapaud, toi, tout de suite. Tu fais pas chier, bordel. On va essayer de tout récupérer. Mais bordel, regardez comment c'est beau. J'adore tellement le mur derrière, avec tous les instruments. C'est tellement génial. Bonus stage que t'es content d'avoir, hein. Vraiment. Voilà, exit. Voilà, on a tout récupéré. You get 100%. Perfect. Excellent. Le donjon, encore une fois. Putain, c'est long. Allez, hop. Allez, on va se transformer en crapaud. Parce que c'est bien connu, les femmes ne pensent qu'à sauter. Bah, ça me choque d'ailleurs, hein. Franchement, on dit que les femmes sautent, tout ça, elles sont encore au sexe, tout ça. La cuisine, ça me fait chier, quoi. Putain, les gens, ils oublient le ménage. Oh putain, on va venir me tuer, attention! Attention! Ert va poster un message, oh mon dieu! Ah! Je me prépare au pire. Oh mon dieu, chute. Oh, elle a tellement rien mérité, la pauvre. Mon dieu, ma pauvre Ert.
pour une... Sans cœur, Larksen. Ah! T'as vu ça? M'a traité de Larksen. Ah! Mais viens, toi! Moi, je suis écrasé par la caisse, mais tu te fous de ma gueule, toi. Ah! Le pauvre Fabien, il est dans tous ses délires. Ça va, Greg, et merci de repasser. Y a plus de lag depuis ni rien. Vraiment, ça s'est bien passé. Par contre, il y a plusieurs gens qui ont eu des soucis, tu vois. Par exemple, il y a eu Satsuki qui est venu. Il n'a jamais de soucis, mais là, Twitch était vraiment pas super, tu vois. Pas tendre avec.